Le rosaire est un exercice de piété catholique qui consiste à méditer quatre chapelets. Pour méditer le chapelet, l'on récite successivement la prière du Je vous salue Marie. Dès le IIIe siècle, les chrétiens se tournent vers la mère du Christ en reprenant les paroles de l'ange à l'Annonciation « Je te salue Marie, pleine de grâce ». À la fin du XVe siècle, apparaît la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs ». Le qualificatif « pauvre » accolé à pécheurs est ajouté plus tard. Au IXe siècle, l'antienne du quatrième dimanche de l'Avent ajoute à la salutation de l'ange à Marie l'exclamation d'Élisabeth lors de la visitation. Seul est ajouté au texte le nom de Marie. Ce sera jusqu'à la fin du XVe siècle la première expression du « Je vous salue Marie ». Au XIIe siècle, la dévotion à Marie prend une importance considérable en Occident. L'antienne de Ave Maria devient une prière populaire que l'on aime répéter, comme à la même époque, en Orient, on répète le nom de Jésus dans ce qu'on appelle la prière du cœur. Dans les monastères, elle remplace peu à peu les pater noster que récitent les frères convers pendant que les moines chantent les psaumes en latin. Il est bon de noter qu'un frère converse est un religieux non-prêtre soumis à l'obéissance monastique dont la vie est consacrée au travail manuel et qui, par son statut, n'est pas tenu de participer à tous les offices de la communauté. Il est considéré comme laïque par le droit canon. Les cordelettes à nœuds, puis les bouliers à grains inventés pour compter les psaumes et les Notre Père vont être utilisés dès lors pour compter les « Je vous salue Marie ». On parle alors du sautier de Marie. Au XIIIe siècle, la grande mystique Sainte Gertrude a ajouté le nom de Jésus en conclusion du « Je vous salue Marie ». Le mot chapelet tire son origine d'un vieux mot français « chapelle » qui signifiait « chapeau ». Dans les communautés, les familles avaient une statuette de la Vierge sur la tête de laquelle on déposait une couronne de roses. Cette coiffure florale a induit le mot « chapeau »,« chapelle » en vieux français. Les premières traces du chapelet remontent au XIIe siècle. Dans la plupart des monastères cisterciens, les frères converses prenaient l'habitude de réciter des Notre Père pendant que les frères moines, eux, chantaient les psaumes. Ils utilisaient pour cela la corde autour de leur taille, corde sur laquelle certains y faisaient des nœuds, afin de suivre le défilé de leur prière. Cet ensemble prit le nom de Pater Notre. À cette période, en Occident, se développa rapidement et dans une proportion importante la dévotion à la Sainte Vierge. Cette dévotion a toujours existé, mais elle prit de l'ampleur à compter de cette date.
si bien que des frères converses remplacèrent les Notre Père par des Ave Maria. L'objet venait donc de naître. Les Dominicains commencèrent la diffusion du psautier de la Vierge, un des ancêtres du chapelet, composé de 150 Ave Maria, en référence aux 150 psaumes de la Bible, d'où son nom, psautier de la Vierge. Ainsi, le psautier de la Vierge prit le nom de chapelet en l'honneur des couronnes de roses offertes à Marie, les roses ayant été remplacées par des perles de bois. Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse de Trèves conseille à ses novices de réciter ses prières d'invocation en méditant la vie de Jésus. Le jeune chartreux Dominique rédige alors 50 courtes méditations ou clausules, non seulement en latin, mais aussi en allemand. Son prieur est séduit par cette proposition nouvelle et l'envoie aux divers monastères de son ordre. Puis Dominique rédige une série de 3 fois 50 clausules en parallèle avec les 150 psaumes. Peu à peu, pour faciliter la mémorisation, on passe au regroupement des Ave en 15 dizaines, toutes introduites par un pater. On redit ainsi le nombre de clausules qui passe de 150 à 15, le rosaire est né. Par la suite, on réserve l'usage du mot rosaire aux 15 dizaines, le chapelet n'en désignant que 5 dizaines. C'est au bienheureux frère Alain de la Roche, né en Bretagne en 1428 et entré dans l'ordre des prêcheurs, que l'on doit sa diffusion. Alain de la Roche devient le grand apôtre du rosaire. Il prêche en Flandre, puis à Lille, où, en contact avec des monastères chartreux, il découvrit les clausules de Dominique le Chartreux, qui, en son temps, conseilla à un de ses novices de prier quotidiennement 50 Ave Maria, tout en méditant la vie du Christ. Il prône la création des confréries du rosaire, dont le succès est immense, jusqu'en Italie et dans le reste de l'Europe occidentale. Alain de la Roche devient alors l'apôtre du rosaire, qu'il appelle psautier du Christ et de la bienheureuse Vierge Marie. On lui doit également la division des 3 cinquantaines, mystères joyeux, douloureux et glorieux, et en 15 mystères précis. Curieusement, Alain de la Roche attribue l'origine du rosaire à Saint Dominique de Guzman, le fondateur de son ordre. En 1572, le pape Pie V officialise la liste des 15 mystères, le rosaire devient la prière du peuple chrétien. Au long des siècles, de grands chrétiens vont y attacher leur nom. Saint Dominique a conçu les mystères qui deviendront plus tard les mystères du Saint Rosaire comme une méthode de catéchisme pour évangéliser ceux induits en erreur par l'hérésie cathare. Il les a divisés en 3 groupes. Le mystère joyeux, le mystère douloureux et le mystère glorieux, cherchant à immerger par ce biais les fidèles au cœur des moments clés de la vie de Jésus. C'est à l'occasion de l'année du rosaire, octobre 2002, octobre 2003, que le pape Jean-Paul II a ajouté une 4e catégorie de 5 mystères centrés sur la vie du Christ.
C'est à jour de nouveaux mystères sans léser aucun aspect essentiel de l'assise traditionnelle de cette prière, dit-il, a pour but de la placer dans la spiritualité chrétienne avec une attention renouvelée comme une authentique introduction aux profondeurs du cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de gloire. Toujours dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le Saint-Pape Jean-Paul II fit cette confidence. Je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du rosaire. Le Saint-Pape Jean-Paul II dit qu'il ne trouve rien de plus merveilleux pour attirer le règne de Dieu dans une âme que de méditer le Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire. Il dit que c'est un chemin authentique de sanctification. Le pape l'a dit en octobre 2002. Ce sont des paroles fortes. Il dit qu'il ne connaît pas, il ne peut pas citer la nuée innombrable de saints qui ont trouvé dans le Saint-Rosaire une voie authentique de sanctification. Faire le rosaire. Avant tout, il faut savoir que le rosaire est une prière qui est à la portée de tous. Que vous soyez enfant, jeune ou vieux, vous pouvez dire le rosaire. Pour dire concrètement le rosaire, il faut commencer par faire le signe de la croix. Après le signe de la croix, faites le credo. Le credo est suivi d'un pater et de trois Ave Maria couronnés par la doxologie. Après cette première partie, vient les dizainiers précédés de l'évocation et de la méditation d'un mystère de la vie du Christ et d'une intention de prière. Les dizainiers sont séparés les uns des autres par des paters. C'est-à-dire qu'avant chaque dizainier, on dit la prière du Notre Père. Il faut savoir aussi que le rosaire est composé de quatre chapelets. Le chapelet fait cinq dizainiers et un dizainier compte dix Ave Maria. À chaque dizainier correspond un mystère de la vie du Christ. Les mystères du rosaire. Le rosaire énonce 20 mystères, 20 événements clés de la vie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Ces mystères se regroupent en quatre catégories. Les mystères joyeux, médités le lundi et le samedi, l'annonciation, la visitation, la nativité, la présentation de Jésus au temple, le recouvrement de Jésus lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Les mystères douloureux, méditer le mardi et le vendredi, l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion. Les mystères glorieux, méditer le mercredi et le dimanche, la résurrection de Jésus, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption, le couronnement de Marie. Les mystères lumineux, méditer le jeudi. Ils comprennent le baptême du Christ, les noces de Cana, la proclamation du royaume, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de dire tous les quatre chapelets le même jour ou au même moment. En fonction de sa disponibilité et de son programme, on peut les répartir dans différents moments de la journée. On pourrait par exemple dire le premier chapelet avec les cinq mystères joyeux le matin à 12h. Le deuxième chapelet avec les cinq mystères lumineux à 17h.
le troisième chapelet avec les cinq mystères douloureux. Et la nuit avant de se coucher, le quatrième chapelet avec les cinq mystères glorieux. On n'est pas non plus obligé de faire tous les quatre chapelets le même jour. Il y a la possibilité de les répartir tout au long de la semaine. Dans ce cas, le lundi et le samedi, on dit le chapelet avec les cinq mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, on dit le chapelet avec les cinq mystères douloureux. Le jeudi, on dit le chapelet avec les cinq mystères lumineux. Et enfin, le mercredi et le dimanche, on dit le chapelet avec les cinq mystères glorieux. Ainsi, à la fin de la semaine, on aura fait tout son rosaire. Au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, sont apparus des chapelets de taille réduite sous forme de bracelets ou de bagues, le plus souvent à 10 grains, appelés décades ou désignés. Ces anneaux sont ornés d'une croix. Ils permettent de prier le rosaire complet en les récitant plusieurs fois. Récite les mystères, c'est la vie de Jésus que nous méditons. Par exemple, quand on prend le mystère joyeux, ce n'est pas la Vierge Marie qu'on prie, mais la Vierge Marie nous aide à nous orienter vers son Fils. Elle intercède auprès de son Fils pour nous. Comment est-ce que nous méditons? Vous savez qu'à chaque chapelet, il y a un mystère, il y a une méditation qui suit, avec un test qui suit. Alors, il faut méditer ces tests-là. Cela nous aide. Lorsque je prends par exemple le mystère joyeux, pour ne prendre que ce mystère-là, vous avez la première dizaine qui va vous parler de quoi? De l'Annonciation. Et à l'Annonciation, il a attaché un fruit et il a attaché un test biblique pour pouvoir permettre aux chrétiens de méditer. Alors, à l'Annonciation, c'est l'ange qui vient vers la Vierge Marie pour annoncer cette bonne nouvelle à la Vierge. Et lorsque l'ange va quitter la Vierge Marie, elle prononce une phrase importante. Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta parole. » Ça, c'est très important, selon ta parole. C'est très important. Cela veut dire quoi? Que nous nous soumettons. Apprendre à se soumettre dans cette méditation. Alors, si vous méditez comme ça, le chapelet, tous les jours, mais ceux qui ont encore la grâce de méditer le rosaire, tel que je viens de dire, et de désirer véritablement les fruits qui sont attachés à la méditation de chaque mystère. Par exemple, ici, dans ce premier mystère, apprendre à nous abandonner. La Vierge Marie, qui avait ce projet, les fiançailles, avec Saint-Joseph, son chaste époux, et on vient lui annoncer cette mission divine de porter le Sauveur. Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc, que l'âme de tous ceux qui méditent le chapelet puisse s'incliner devant la volonté de Dieu. On s'exerce comme ça. Deuxième mystère, on va vous parler de quoi? De la visitation. Et la Vierge Marie, bien que porteuse de cet être qui n'est pas ordinaire,
à la fois homme et à la fois Dieu, mais se déplace avec un esprit de service, va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Donc cette démarche qui nourrit le chrétien dans sa méditation l'amène à faire quoi? L'amène à dire, il ne faut pas que je sois sur mon piédestal, à regarder les gens de haut. Parce que la Vierge Marie, porteuse déjà du Christ, hein, qui est conçue, se déplace. Elle fait le mouvement pour aller se mettre au service de sa cousine Élisabeth pendant 3 mois. L'amour hein, du prochain. L'amour du prochain. L'âme qui désire cela. Donc que je sois ministre de la République, que je sois directeur général, que je sois, tous ceux qui sont élevés dans la hiérarchie, en méditant ces mystères, c'est quoi? C'est un apprentissage de notre cœur à descendre, à rendre service aux autres. Vous avez aussi le troisième mystère, qui est le mystère de la nativité. Dieu qui naît, qui prend notre condition humaine, excepté le péché. Donc dans cette méditation, vous voyez que l'âme qui est habituée, qui s'exerce toujours à méditer le chapelet, à rechercher les fruits, c'est une âme qui est véritablement remplie de vertus. Parce que ici, nous voyons Dieu descendre. Dieu, l'auteur de la vie, le créateur de tout, qui descend, qui prend notre condition. Alors, qui suis-je moi ? Même avec tous les titres qu'on va vous donner, milliardaire, qui peut être au-dessus de Dieu ? Personne. Mais Dieu, il est descendu, il descend. Donc, l'âme qui apprend à descendre de son piédestal, qui apprend à descendre. Voilà ce qu'on recherche. Et le quatrième mystère, c'est le mystère de la présentation de Jésus-Christ au temple, 40 jours après sa naissance. Donc, vous allez méditer cela pour rechercher quoi? La pureté de cœur. Vous allez rechercher la pureté de cœur. C'est un instrument de salut de notre âme. Ce n'est pas un instrument, c'est un instrument pour instaurer en nous le royaume de Dieu. Et tout le reste est donné. Mais en fait, nous inversons les choses, nous recherchons le reste. Et vous voyez, le royaume est trop lourd pour suivre le reste. C'est le reste qui doit suivre le royaume. Donc, il faut méditer les mystères. Et puis comme ça, lorsque le royaume est instauré dans une âme, tout le reste vient. Le cinquième mystère, c'est le recouvrement de Jésus au temple. 3 jours, on le cherche ici. C'est tout simplement pour que nous soyons dans une âme assoiffée de Dieu, qui cherche Dieu jusqu'à ce qu'on puisse véritablement le voir, comme saint Paul le dit, face à face. C'est cela qu'il a recherché. Vous avez fait la même chose pour le mystère lumineux, le mystère douloureux et puis le mystère glorieux. Les 5 mystères lumineux. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Fruit du mystère, fils et filles de Dieu, par le baptême nous sommes sauvés. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Fruit du mystère, la grâce d'obtenir de Jésus toute demande par l'intercession de Marie. Troisième mystère lumineux, l'annonce du règne de Dieu. Fruit du mystère, la grâce d'annoncer la bonne nouvelle aux frères de la terre. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Fruit du mystère, la contemplation et la ferveur. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Fruit du mystère, l'adoration du Saint-Sacrement. Les 5 mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Fruit du mystère, le repentir de nos péchés. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Fruit du mystère, la purification des sens. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Fruit du mystère, l'humilité et l'esprit de la conversion du cœur. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Fruit du mystère, le courage et la patience dans les épreuves.
Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus en croix, fruit du mystère, le rejet du péché et l'attachement à la croix. Les cinq mystères glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection, fruit du mystère, la foi et la conversion. Deuxième mystère glorieux, l'ascension, fruit du mystère, l'espérance et le désir du ciel. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, une nouvelle effusion d'amour sur le monde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie, fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie, fruit du mystère, la confiance et la dévotion à Marie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le médiateur, est notre médiateur vers Dieu. Mais la Vierge Marie, c'est elle qui intercède auprès de son Fils. C'est elle qui nous conduit à Jésus, son Fils. Et Jésus nous conduit à Dieu. Reconnaître la Vierge Marie comme notre mère, elle a prié, elle-même, elle a dit, « Tous les âges me diront bienheureuse. » Mais quelle joie de reconnaître la mère de Dieu. Quelle joie de prier la mère de Dieu. Louis-Marie Grignon de Montfort a publié que la dévotion à la Très Sainte Vierge a pour objectif d'établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ parce que Marie est la mère médiatrice de l'unique Rédempteur, le Fils de Dieu fait homme. Dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le pape Jean-Paul II disait que la contemplation du Christ trouve en Marie son modèle indépassable. Le visage du Fils de Dieu lui appartient à un titre spécial. C'est dans son sein qu'il s'est formé, prenant aussi d'elle une ressemblance humaine qui évoque une intimité spirituelle assurément encore plus grande. Il poursuit le pape en disant que personne ne s'est adonné à la contemplation du visage de Jésus avec autant d'assiduité que Marie. Déjà à l'Annonciation, lorsqu'elle conçoit du Saint-Esprit, les yeux de son cœur se concentrent en quelque sorte sur lui. Au cours des mois qui suivent, elle commence à ressentir sa présence et à en pressentir la physionomie. Lorsqu'enfin, elle lui donna naissance à Bethléem, ses yeux de chair se portent aussi tendrement sur le visage de son fils, tandis qu'elle l'enveloppe de l'ange et le couche dans une crèche. Le numéro 45 de l'exhortation apostolique Marilis Cultus nous le rappelle en insistant sur comment le déroulement ordonné et progressif du rosaire reflète la manière même dont le Verbe de Dieu, en s'insérant par un destin miséricordieux dans l'histoire humaine, a réalisé la rédemption. C'est précisément à partir
de l'expérience de Marie que le rosaire est devenu une prière nettement contemplative. Privé de cette dimension, il en serait dénaturé, comme le soulignait le pape Paul VI, je cite, « Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme, et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. » Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vu à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu'ainsi s'en dégagent les insondables richesses. La méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour l'Ave Maria répétée 10 fois à chaque mystère. Si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourrait être tenté, oui, on pourrait être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse. Au contraire, on peut considérer le chapelet tout autrement si on le regarde comme l'expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée par des effusions qui, même si elles sont toujours semblables, dans leur manifestation, sont toujours neuves par le sentiment qui les anime. Le rosaire, frères et sœurs, est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne qui s'attache à la contemplation du visage du Christ. Le pape Paul VI le décrivait ainsi. La prière évangélique centrée sur les mystères de l'incarnation rédemptrice, le rosaire, a donc une orientation nettement christologique. En effet, son élément le plus caractéristique, la répétition litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la Vierge. En effet, frères et sœurs, son élément le plus caractéristique, c'est-à-dire la récitation litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la mère du Baptiste. Le fruit de tes entrailles est béni. Nous dirons même plus, la répétition de l'Ave Maria constitue la trame sur laquelle se développe la contemplation des mystères. Le Jésus de chaque Ave Maria est celui même que la succession des mystères nous propose tour à tour, Fils de Dieu et de la Vierge Marie. Imiter la Vierge Marie, son silence, ses vêtues, femme douce, femme calme, femme effacée, femme humble. Vous savez, lorsque nous sommes à Cana, il y a une démarche de la Vierge Marie qui doit vraiment nous interpeller, nous qui voulons marcher dans ses pas. Lorsqu'elle observe que les mariés n'ont plus de vin, elle ne se met pas à la place de Dieu, elle parle à Dieu, à son Fils, pour dire « ils n'ont plus de vin ». Cette démarche de la Vierge Marie nous indique qu'elle ne se met pas à la place de Dieu. Elle respecte Dieu, elle sait que c'est Dieu qui est capable de combler le besoin des hommes. C'est pour cela qu'elle se tourne vers Jésus-Christ.
parce qu'elle observe que les mariés n'ont plus de vin, mais elle n'invente rien. Elle se tourne vers l'auteur de la vie, celui qui peut étancher les soifs de tout un chacun. Nous devons faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dévotes au rosaire et ils font certaines déviations. Il faut éviter de substituer le rosaire à la messe. Parce que la plus grande prière dans l'Église catholique, là, c'est la messe, ce n'est pas le rosaire. Aussi, le rosaire, ce n'est pas du fétichisme. Parce que si tu, c'est vrai, tu pries, mais si tu as un problème, va voir les prêtres. Il faut aller, si tu es malade, il faut aller à l'hôpital pour te soigner. Mais il y a des gens, ils se disent, comme ils prient le rosaire là, ils sont malades, ils vont attacher le chapelet à leurs bras et puis ils sont chez eux à la maison. Ce n'est pas du fétichisme. Le rosaire, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que j'ai prié et que je n'ai pas obtenu la grâce, donc c'est fini. Non, non, non. Le rosaire est une prière. Et la prière, on doit toujours persévérer dans la prière. Même si ce que j'attends n'arrive pas, je dois toujours demeurer dans la prière et rester en communion avec mon Seigneur. Le reproche qui est fait aux chrétiens, et je voulais dire qu'il y a des reproches fondés et puis d'autres non. Les reproches qui sont fondés, pour moi, partent de ces observations de ces vénérations outrancières, ces vénérations qui ressemblent un peu à une sorte de mariolâtrie, c'est-à-dire le culte exagéré de la Vierge Marie qui met la Vierge Marie au rang d'une déesse. Non, ça ce sont des critiques que nous pouvons accepter parce qu'on observe que malheureusement il y a des chrétiens qui ont une vénération, je vais dire, démesurée du culte marial. En dehors de cela, il ne faut pas compter avec ces personnes qui se sont braquées pour ranger l'Église catholique au rang des sectes, tout simplement à cause de notre vénération vis-à-vis de la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Vierge Marie doit être, pour moi, vénérée à sa juste mesure. C'est ce qu'elle demande d'ailleurs. C'est ce qu'elle demande d'ailleurs. Dans toutes les apparitions de la Vierge Marie, on n'a jamais vu la Vierge Marie se mettre à la place de son Fils. Elle a toujours milité dans le champ du Seigneur en indiquant la voie à ses enfants. Par exemple, lorsqu'elle apparaît à la Salette, elle demande aux enfants de prier, de ne pas oublier de prier, de ne pas oublier de faire leur prière chaque jour. Et ça, c'est très important. Nous ne voyons pas une personne qui n'est pas dans le champ du Seigneur militer pour que des âmes soient gagnées à Dieu. La même chose pour Bernadette Soubirou. Lorsqu'elle apparaît à Bernadette Soubirou, c'est la même chose qu'elle dit à Bernadette Soubirou. Les vêtus de la Vierge Marie. Ça ne sert à rien d'attacher un rosaire sur le cou, ça ne sert à rien d'attacher un rosaire sur le bras, ça ne sert à rien d'attacher le rosaire pour se promener avec si nous n'avons pas comme intention première de marcher dans les pas de Jésus-Christ. Il faut désirer les vêtus de la toute pure, comme je l'appelle, la Vierge Sainte, la comblée de grâce, la comblée de grâce. Imiter la Vierge Marie, son silence, une femme de prière, une femme de prière, une femme qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu, une femme courageuse qui est au pied de la croix alors que son fils est crucifié. Les femmes savent de quoi je parle, les femmes savent de quoi je parle.
Quelle femme? Déjà, lorsque nous-mêmes, on est à la justice, qu'on me dit, par exemple, à une femme que son enfant va aller en prison, à la Maca. Mais c'est un désastre pour elle. Je parle de la Maca, il n'est pas mort. Mais vous avez Saint Jean qui dit qu'au pied de la croix, elle était debout. Donc, une femme de courage. Mais pourquoi? Ce courage, ça tient à quoi? À sa foi en Dieu. Il ne peut pas me laisser tomber. Et lorsque je médite les Saintes Écritures et que je porte mon regard sur chaque chapitre où la Vierge apparaît, c'est un enseignement qui est donné. C'est un enseignement qui est donné. Une femme qui n'a pas le cœur d'un revanchard ou d'une revancharde parce qu'elle sait que Pierre avait renié son fils, mais elle s'est retrouvée avec eux tous, tous ceux qui ont fui. Lorsqu'on avait arrêté son fils, lorsqu'on avait crucifié son fils, ils avaient tous fui, sauf Jean, qui était au pied de la croix. Les autres avaient fui. Mais elle n'a pas dit, après, vous là, je ne veux plus parler avec vous. Allez-y, vous avez abandonné mon fils, vous vous êtes promené avec lui pendant 3 ans. Mais le jour de la mort, vous l'avez abandonné. On dit, la Vierge Marie était aussi au cénacle avec eux. Donc c'est une femme qui a le cœur pur, hein, qui oublie tout ce qu'on lui fait, tout le mal qui est fait. Voilà, c'est une femme qui est remplie de grâce. Et lorsque nous décidons de marcher vers Jésus, mais en imitant les pas de la Vierge Marie, c'est pour imiter ses vertus. Une femme de silence surtout, apprendre le silence de la Vierge Marie. Et puis une femme qui respecte Dieu, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne, on lui dit « Voici ta mère est là-bas et t'appelle », il dit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Mais la Vierge Marie n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Elle a gardé le silence. Prier le chapelet, c'est comme offrir une rose à la Vierge pour chaque Ave Maria. Pour celui qui n'arrive pas à prier le rosaire, il faut d'abord commencer à faire le chapelet avec lui de façon quotidienne. C'est-à-dire que chaque jour, réciter au moins une dizaine de chapelets avec lui. Et ainsi de suite. Après le chapelet entier, jusqu'à ce qu'il ait l'habitude de réciter le chapelet pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de réciter le rosaire. Pour celui qui prie le rosaire n'est pas exaucé, je dirais à la personne de ne pas se décourager et de continuer à prier. Peut-être que c'est ce qu'il demande à Dieu là qui n'est pas réalisé, mais le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et ce qu'il demande au Seigneur, le Seigneur voit que ce n'est pas nécessaire en ce moment précis là pendant qu'il demande. Et il peut lui donner autre chose bien meilleure que ce qu'il est en train de demander, c'est d'avoir les yeux de foi, de regarder dans sa propre vie pour voir ce que Dieu a déjà accompli, pour dire merci pour ce qu'il a, et continuer à persévérer dans la prière. Parce que c'est la persévérance dans la prière qui nous obtient toutes les grâces. Comparer, ou du moins s'attribuer le titre de sirène des eaux pour qualifier la Vierge Marie, pour moi, relève d'une méconnaissance. Je voudrais tout simplement prier pour ces personnes qui opèrent une telle confusion dommageable. Et je voudrais tout simplement prier pour ces personnes. Et je voudrais inviter les chrétiens à prier, et pourquoi pas même à jeûner, parce que comparer la mère de Jésus-Christ
à la sirène des eaux, c'est pour moi, je n'ose pas qualifier une telle âme qui s'adonne à de tels propos méprisants. La sirène des eaux, c'est une déesse antique qui n'a absolument rien à voir avec la Vierge Marie. Le Seigneur disait, donnait un jour un enseignement à ses apôtres et il a résumé pour dire que celui qui est avec nous ne peut pas être contre nous. Nous voyons la Vierge Marie dans ses apparitions, nous voyons ce qu'elle fait et il y a ce témoignage. Les hommes peuvent mépriser la Vierge Marie, les hommes, mais les démons rendre témoignage de ce que la Vierge Marie est dans le royaume. Dans le royaume. Et c'est pour moi, c'est très important. Lorsque vous avez des personnes qui font ce qu'on appelle les séances d'exorcisme, vous pouvez leur demander, ils vous donneront des témoignages de la place extraordinaire que Dieu a réservée à cette femme. J'ai été témoin, moi-même aussi, de cette délivrance avec un père exorciste. Je ne voudrais pas citer son nom, un père exorciste. Et j'ai vu comment est-ce que le démon tremblait lorsque on récitait le « Je vous salue Marie ». J'ai vu comment est-ce que le démon tremblait. Et si le démon tremble devant le nom de la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la comparer à la sirène des eaux, c'est vraiment dommage. Et je voudrais tout simplement dire que pour de tels propos, il n'y a pas lieu de faire des palabres. Il n'y a pas lieu de faire des palabres, mais il y a plutôt lieu de prier pour ses frères, de prier pour ses sœurs, qui compare la mère de notre Seigneur Jésus-Christ à la sirène des eaux. Les chrétiens catholiques ne sont pas appelés à adorer Marie. Lorsque vous dites déjà, les chrétiens adorent Marie, les chrétiens catholiques adorent Marie, vous êtes déjà, dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une forme de projection de votre vue sur l'enseignement réel de l'Église. Donc vous êtes dans le faux lorsque vous dites que les chrétiens adorent Marie, alors que les prêtres, notre enseignement nous demande de la vénérer, de l'honorer et non de l'adorer. L'adoration qui est le culte qui est rendu à Dieu et à Dieu seul. Je ne vais pas blâmer, je ne vais pas reprocher quoi que ce soit à mes frères, qu'ils soient chrétiens catholiques, chrétiens protestants, évangéliques, musulmans, ce sont nos frères, bouddhistes, ce sont nos frères. Nous les catholiques, nous vous aimons tel que vous êtes. Chacun dans sa foi, nous vous aimons. Nous demandons tout simplement qu'on nous laisse. Si on estime que nous sommes perdus, priez pour nous, pour que nous ne nous perdions pas. Mais nous vous aimons. Nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Il n'y a pas de place de haine dans le cœur d'un chrétien catholique pour qui que ce soit. Alors, nous continuons de prier. Et je demande aussi à la Vierge Marie de prier pour vous. De prier pour vous. Hein, pour vous. Même ceux qui l'insultent, qu'elle prie pour eux. Saint Jean-Paul II priait tous les jours le rosaire. Pour lui, l'objectif du rosaire est avant tout de contempler avec Marie le visage du Christ. Dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le saint pape Jean-Paul II fit cette confidence. Je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du rosaire. Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante dans ma vie spirituelle. Le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie
et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Prions le rosaire aujourd'hui pour vaincre le bruit et le désordre dans le monde. Prions le rosaire aujourd'hui pour une dévotion plus profonde à Dieu et à son Église. Prions le rosaire aujourd'hui pour renforcer les liens familiaux et l'amour conjugal. Prions le rosaire aujourd'hui pour lutter contre la propagation rapide du sécularisme et la perte du sens de Dieu. Enfin, prions un chapelet du rosaire aujourd'hui pour la paix dans notre monde troublé, pour la paix dans nos pays et pour la paix dans nos cœurs.